Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plus petit pas de savoir quoi, nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation de deck. Avant que les vidéos commencent, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à acheter votre meilleur pouce bleu. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, donc vraiment, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu pour le référencement, un petit commentaire pour le référencement aussi, et ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va se jouer au deck à Viper en super défi. Et puis, c'est parti, après rien contre CM. Allez. On va commencer par un petit cochon. Tranquille. Sans aucun. Ok, voilà. Il y a des gardes. On va pas s'embêter, il y a Valkyrie garde, juste une petite Valkyrie. La Fallus Guard, je veux dire. On s'embête pas. Un peu paniqué, j'avoue. La reine, ça part en roquette. Voilà, parfait. N'hésite pas à roquette la reine, ça fait plaisir. Ok, Kava, très bien. On va aller mettre le bourreau plus l'esprit de classe un petit peu tard pour pas que. Une petite bûche pour éviter de prendre trop de dégâts. On va prendre un coup de plus. Et c'est bon, ça va très bien. Et bon, bah pour l'instant, on va tempo tranquillement. On va rien jouer. On n'a pas un avantage d'Elex. Et... relou ça. Ce... ah, j'ai coupé, hein. Parfait. Ok, on va quand même roquette, hein, pour pas qu'il nous amère la reine. Hop. Parfait. La reine, je pense, on va la roquette tant. Ça nous fait pas chier. Ça avec les petits esprits de glace. N'oublions pas qu'il a des gardes. Ah ouais, ça c'est relou. Voilà, ce qui vient, c'est qu'on peut mettre Valkyrie plus la bûche qui nous permet de défendre du coup la voleuse derrière. Voilà, parfait. Et là, on a bien gratté de ce côté, donc c'est pas mal. Voilà, la roquette, ok, on va nous remettre une reine. Normalement, non, mais c'est jamais. Je roquette à chaque fois, je pense que je vais tout le temps roquette la reine. Je vais pas m'emmerder plus que ça. Viens là, toi. Hop, on met la petite Valkyrie ici. Alors, si ça aurait été là, j'aurais la créature du roi, mais là. Oui, pas trop. Ok, là il force. Non, si on va forcer, c'est la mine food. Il a son MK, c'est bien joué de sa part. Les gobelins qui vont prendre le focus, pas du tout. Ok. Alors là, je pense que. Ok, je vais mettre la Valkyrie en middle, le petit bourreau. Ok, ça me va. Panique un peu. Il est vrai que j'ai un peu paniqué avec mon cochon là. Il est vrai que. Et on va voir cochon. Tranquille, ok. Il va devoir MK. Enfin, mettre un coup de MK. C'est pas avec eux. Ok, c'est mes nouvelles, c'est chiant. Ok. Je rate mon timing. D'accord. J'ai tout raté. Ça fait plaisir. Mettre la petite tornade ici. Une petite Valkyrie. Bah, mettre le cochon ici pour défendre. Alors je rappelle que je suis pas Viper avec le deck, hein. J'annonce tout de suite. Je pense que vous l'avez vu, mais je suis loin d'être Viper avec le deck. Hein. J'essaie de me concentrer, mais c'est pas facile. Hein. Mettre le bourreau plus le coupon. Je crois que ça finit pas le but de la foudre. Si ça va finir. Oh
Oh, let's go. Oh là là, let's go. Oh, oh let's go. Oh let's go, la chatte que j'ai. Oh la chatte que j'ai. Chatte que j'ai. Symbole, je vous l'annonce direct, symbole. Ok, c'est là même le vol, il n'est pas considéré aussi bien que... Oh, t'inquiète, il y a 20 HP. C'est sûr que la symbole était partie. J'ai énormément de chat, on va pas se le cacher. Allez, c'est parti, contre XI, OCF, XI16. Petit truc là, c'est si possible. Ok, même PK, pas de soucis. Ok, petit gobelin ici, tranquille. On connaît pas son deck, on est en découverte. On met le petit cochon avec. Ok, tranquille. On va aller regarder ça. C'est un pour l'agressif, mais c'est pas grave. Mais si c'était du 2.6, ah non, il a mis une PK. Ah non, c'est le géant cycle. Oh merde. Un bourreau, ça va. Bon, qui va faire carrément son taf. Hein. Aider le bourreau, c'est n'importe quoi cette carte. Ok, on va mettre un cochon parce que c'est sûrement un mini PK, donc. C'est pas grave, on a le bourreau derrière qui a permis de taper. Alors, comme je viens de le dire. Ok, il a permis de taper. Il y a la bûche. Et parfait. D'ailleurs, les gars, je vais vous montrer un profil que j'ai battu tout à l'heure. Incroyable. Avec ce deck là, justement, qu'il est en face. Non, il n'y a pas de carcouille, il y a. Un MG. Ok, bon, du coup, faut garder les gobelins contre son géant. C'est le moins utile. Ok. Je pense qu'il faut que je protège, hein. Je pense protéger mon bourreau. Ah ouais, t'es un esprit de glace. Ensuite, la Valkyrie. Un petit peu, ouais. Moi, j'ai tendu les garous, justement. Oh putain, on a pas fait comme je voulais. Parfait, on a fait une bonne défense. Ok, bien, on va prendre deux coups de cochon. Ou un coup de cochon, c'est bien aussi. Et notre bourreau. Bourreau qui fait un taf monstrueux, on va pas se le cacher. Oh, parfait. On va se mettre le petit gobelin avec. Ah, parfait, pour le. Pour encore une fois, le PK. Et voilà. Là j'ai bien joué. Ça a surpris. On a porté de roquette, donc ça c'est pas mal. On peut remettre un deuxième bourreau. On a la Valkyrie avec. On a l'esprit de glace. On a porté de roquette. Donc ça c'est ça va, c'est tranquille. Problème, c'est un cochon. Ça change rien. C'est ma somme IPK donc. Voilà. GG à tous. Pour l'instant on fait de. Très bonne game. La première qui est un peu catastrophique, mais on a chaté, donc tant mieux. Donc ouais, c'est ce deck. Ouais, c'est pas exactement ça, mais regardez, attends. C'est lui là, regardez le match-up là. Regardez un petit peu le match-up et regardez le profil que c'est, genre. Les gars, si vous voulez suivre ce genre de truc, j'affronte des profils de malades et que je les bats, n'hésitez pas à aller sur mon Insta, les gars, qui est sur l'overlay. Donc, est-ce que tout n'est pas déjà prêt? Bien sûr que si, donc. Voilà, voilà. Après, j'espère que vous kiffez ce genre de vidéo et n'hésitez pas à, s'il y a besoin, je vous présente d'autres decks, ceux que vous voulez. Dites-moi dans les commentaires quel deck je vous présente. Enfin, vous voulez que je vous présente. Et si vous avez des questions, les gars, c'est sur Instagram. Venez me poser des questions, que ce soit pour votre deck, pour n'importe quoi, je le fais gratuitement. Et puis voilà, cette putain de game, elle va pas se trouver là. Et du coup, bon, j'ai fait un petit cut et on se retrouve dès que la game commence. Ok, c'est parti. J'ai attendu 2 minutes facile. Je suis en 2-0, c'est. Bref, allez. Là, allez, hop. Petit esprit cochon. Kilkava qui est beaucoup trop tard. Ok, ça c'était bien joué. On va mettre la Valkyrie. Plus une bûche. J'ai mis défendu tout à l'heure. Il y a le même projet. Peut-être mis la bûche un petit peu tard. Ok. Traîne toujours.
Tant qu'il soit au pont pour la roquette, il y a peu de chance que je peux pêcher quelque chose d'autre. J'avais dit quoi les gars? J'avais dit quoi les gars? Je savais qu'il aimait être coupon, c'était sûr. Ça part. Ok, hop, on met gobelin esprit glace. Qui permet de très bien défendre avec un bélier. Ok, pour l'instant, moi, on fait la game match-up de tout à l'heure. On verra si ça passe ou pas. C'est plus compliqué cette fois puisque je pense que je n'ai pas autant de chat. Et le mec tout à l'heure joue vraiment mal alors que là il a l'air de savoir quand même les bases. On va voir. Huche. Sick tranquille. Ok. Mettre le petit pelkir ici pour tout random milieu ou pas. Ah ouais, mais si je commence déjà à faire des navires comme ça, ça va pas le faire. Hein. Voilà, il s'attend sûrement à une roquette. Ça l'a pas du tout suivi, super. Super action de ma part. Hein. Ok, on va partir cochon opposé. Ceci étant dit, on n'a pas... On n'a rien pour reset le Gava. Ça saute. Ah ouais, ça saute un peu tard. Ouais, dommage. Ok, c'est pas mal. On peut mettre une petite bûche en plus pour tuer la reine. Pas la reine. Super. C'est génial. Wesh frère, on se calme là. Ok, parfait. Bonne défense de ma part. Esprit, petit gobelin. Un coup de reine en plus, ça c'est relou. On va devoir passer le bourreau. Et là on va pouvoir cochon par contre. Oh, le chien. J'ai panique. Je fais esprit hein, pour... Je vous le dis, on n'aura pas deux fois autant de chat, hein. C'était... C'est sûr. Ouais, c'était sûr, on n'allait pas avoir deux fois autant de chat. C'est normal. C'est normal. Le matchup, je pense qu'il est compliqué de base. Là, on affronte forcément, on affronte un petit compte. Ça aide pas. Et le même deck, il y a deux, trois choses près. Bon, c'est pas grave, on part dans cette troisième game dès qu'il commence. C'est parti, troisième game. Trace ce pont. Et ma taille du type. Cochon. C'est parfait. Mais 5 à 6 coups de cochon, je sais pas trop. Est-ce que vous voulez une reine ou quelque chose? Non. Il n'y a pas un bourreau au fond de map. Et je veux juste qu'il fasse ça parce que là il n'y a plus d'ilex en fait. C'est vrai qu'il n'y a plus d'ilex. Ok, on a portée de roquette. Ça c'est clean. Oh, il a mis devant, putain, quel chien. Ok. Moi, c'est que là, on a rien à roquette. Ah, pas de value. Si moi, chevalier, limite, je prends. Sur un cochon, hop, ça part. Limite pour le beau jeu, tout à la fin, t'as un pré-shot roquette sur la T2, mais pas plus quoi.
Tiens, ok, tout peur. Ah, j'ai pas envie de savoir. Je vous montre le placement pour la Valkyrie, pour ceux qui veulent. Merde, je suis force là. Du coup, je m'attendais pas qu'il envoie là. Ok. Ça, parfait. Un tour à droite. Elle est mise derrière. Hop, voilà. Donc en fait, dès que vous voyez le fût, vous mettez la Valkyrie bien ici et c'est bon. Ça, c'est le placement ici. Attends. Ici, c'est le placement pour pouvoir attirer. Très. Ok, j'attends le placement. C'était déjà. Ok, GG à tous. On va lancer une petite dernière game les gars avec le deck de Vapeur. D'ailleurs Vapeur, si tu passes par là, on sait jamais, hein, pas pur hasard. N'hésite pas à me dire si je joue bien ton deck, je pense que c'est une catastrophe, mais on sait jamais. Les gars, troisième partie pour la dernière game. Je vous jure, je prends plus de temps à trouver une game quand je suis à bas victoire et à haut victoire, genre vraiment. Quand je suis en 8, 9, 10, 11, c'est trop facile de trouver. Mais là, je galère. Ok, bon, le mec il a acheté. Dès que je peux roquette quelque chose, je le roquette. Moi, je commence à connaître le match-up, donc c'est pour ça que je peux me permettre une roquette. Oula, c'est peut-être pas ce que je pensais. Parfait. Voilà, snap avec le bourreau. On s'y attend à ça, je pense. J'ai mis une roquette un peu en forme, mode YOLO. Bien défendu, putain, mais il y a trop bien défendu. Bon. Prochain cochon, j'ai la roquette. Ah, je peux roquette. J'ai un match, je veux dire. Je vais pouvoir roquette la tour quand je suis à 9. Croyez-moi les gars, si je gratte pas en Rocket Cycle, je peux jamais, donc j'ai pas le choix. Avec le bourreau ici. Et, bien joué. Oh le cochon. Oh le cochon qui s'est barré en Thaïlande. Let's go. Je suis un petit coup de cochon, c'est pas dramatique. Et parfait. Et très bien. Merde, je me clique. Je vais faire ça. Je prends pas de coup, je crois. Cyclé logique. C'est parfait. Là il vient de forcer donc je peux rocket. Puis moi je suis concentré les gars, j'ai pas envie de rater de timing ou un truc en genre. C'est parti pour le bourreau.
Ça, c'est qu'un. Là, je roquette. Pas besoin de défendre, non. C'est qu'il peut pas prendre un coup. Un coup, c'est pas le. Let's go! C'était pas un match facile, croyez-moi les gars. Si vous l'essayez, vous allez voir que c'est pas un match facile. Très compliqué d'ailleurs, j'étais un full tryhard à la fin. Niveau 12, 6K, c'est vraiment bien quand même. Hein. Sachant que le mec joue 2.6, remix, mais. Facile. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous pouce bleu, c'était vrai. Ciao!